Chapitre 4. Biais dans l'estimation de probabilité. La vie est l'école des probabilités, disait le journaliste et essayiste britannique Walter Bagehot. Dans des occasions nombreuses et diverses, prendre une décision implique d'estimer une probabilité. Pour décider si elle prend ou non son parapluie, Anne doit estimer la probabilité qu'il pleuve pendant sa sortie. Pour décider s'il achète ou non des actions de la Française des Jeux, un investisseur doit estimer la probabilité que le cours de l'action soit en hausse. Pour décider s'il recrute ou non un candidat, un manager doit estimer la probabilité que ce candidat soit un bon collaborateur. Souvent, nous estimons une probabilité en ayant connaissance d'une ou de plusieurs informations. Anne estime la probabilité qu'il pleuve pendant sa sortie, sachant qu'il a plu hier. L'investisseur estime la probabilité que le cours de l'action de la FDJ soit en hausse, sachant que la tendance à court terme est à la hausse. Le manager estime la probabilité que le candidat soit un bon collaborateur, sachant qu'il a un CV solide. Ce type de probabilité est appelé probabilité conditionnelle. Plusieurs biais cognitifs peuvent altérer notre estimation de ces probabilités. Le biais de la probabilité inversée. Faites-vous partie des 20 millions de Français qui chaque année jouent au moins une fois au loto ? Si tel est le cas, le célèbre slogan « 100% des gagnants ont tenté leur chance » y est peut-être pour quelque chose. Difficile de ne pas être interpellé par ce slogan. Et pourtant, celui-ci ne dit absolument rien sur vos chances de gagner au loto. Ce slogan exploite le biais de la probabilité inversée, qui consiste à confondre les probabilités. Le slogan de la FDJ dit que sur l'ensemble des gagnants, au loto, 100% ont joué. Merci pour l'information. Autrement dit, la probabilité est égale à 1. Mais ce qui intéresse un joueur est la probabilité inverse. Sur l'ensemble des joueurs au loto, combien y a-t-il de gagnants ? Il s'agit de la probabilité de gagner au loto, qui, comme chacun sait, est extrêmement faible. Une chance, sur presque 20 millions. D'avoir les 5 numéros et le numéro chance. La FDJ n'est pas la seule à tirer parti du biais de la probabilité inversée. Une directive européenne de 2001 impose aux États membres d'inscrire des avertissements sur les paquets de cigarettes. L'un d'eux est « Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 ». En indiquant que sur 10 personnes ayant un cancer du poumon, 9 étaient des fumeurs, ce message indique la probabilité que le fumeur ait un cancer. Mais pour un fumeur, la probabilité pertinente est la probabilité cancer égale fumeur. Celle d'avoir un cancer du poumon, sachant que l'on est fumeur. Or, cette probabilité est objectivement faible. Une étude publiée en 2011 dans le New England Journal of Medicine rapportait que dans un échantillon de 53 202 fumeurs, personnes âgées entre 55 à 74 ans au moment de l'étude ayant fumé au moins 20 cigarettes par jour pendant au moins 30 ans ou ayant cessé de fumer au cours des 15 dernières années précédentes, 1916, soit 3,6%, ont développé un cancer du poumon. En affichant « fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 », sur les paquets de cigarettes, les autorités publiques jouent sur le fait que nombre de fumeurs penseront à tort qu'ils ont 9 chances sur 10 de développer un cancer du poumon s'ils continuent à fumer. Les exemples du biais de la probabilité inversée sont nombreux. Dans un article du 22 avril 2020, Le Point examinait l'hypothèse que les fumeurs sont moins exposés à la Covid-19, une hypothèse avancée par l'APHP, l'Assistance publique aux hôpitaux de Paris, après les résultats d'une étude soulignant le faible nombre de fumeurs parmi les patients hospitalisés. Sur 11 000 patients admis à l'hôpital début avril, seuls 8,5% étaient fumeurs. Il s'agit de la probabilité fumeur Covid, mais là aussi, la probabilité pertinente est la probabilité Covid fumeur. Sur 100 fumeurs, combien contractent le Covid-19 ? Des phrases telles que 70% des élèves en échec scolaire regardent la télévision plus de 2 heures par jour, ou encore 80% des personnes atteintes d'une tumeur au cerveau possèdent un téléphone portable, exploitent le même biais cognitif. Un cas classique du biais de la probabilité inversée est l'erreur du procureur. Cette erreur consiste à confondre la probabilité que le profil de l'accusé corresponde au profil cible du criminel, sachant que l'accusé est innocent, et la probabilité que l'accusé soit innocent, sachant que son profil correspond au profil cible. Prenons un exemple concret. Un meurtre a eu lieu à Londres et le recoupement de différents témoignages a permis de dresser le profil du criminel. Un homme, mesurant environ 2 mètres, âgé entre 20 et 30 ans, avec les cheveux teints en rouge et qui boite de façon prononcée. Un criminologue commence par rappeler les données d'hématographiques suivantes.
Probabilité d'être un homme, 0,51. Probabilité de mesurer environ 2 mètres, 0,025. Probabilité d'être âgé entre 20 et 30 ans, 0,25. Probabilité d'avoir les cheveux teints en rouge, 0,037. Probabilité de boiter de façon prononcée, 0,017. Puis, en rappelant que ces événements sont indépendants, le criminologue avance que l'on peut obtenir la probabilité qu'une personne présente ces 5 caractéristiques à la fois en multipliant ces probabilités. 0,51 fois 0,025 fois 0,25 fois 0,37 fois 0,017 égale 0,0002%. Un suspect a été arrêté et il présente les 5 caractéristiques du criminel. Le procureur affirme qu'il y a 0,00002% de chance que le suspect soit innocent. Ce faisant, il est victime de l'erreur du procureur. On peut aisément se rendre compte du caractère erroné de ce raisonnement. On sait que la probabilité de correspondre au profil cible est de 0,0002%. Sur les 10 millions d'habitants de Londres, il y a donc 20 personnes qui correspondent au profil cible. Sur ces 20 personnes, une est coupable et 19 sont innocentes. Par conséquent, la probabilité que le suspect soit innocent sachant que son profil correspond au profil cible est 19 sur 20, égale 95%. Morale, la probabilité de correspondre avec celle des chiffres est de 95%. On voit bien que confondre ces deux probabilités peut avoir des conséquences judiciaires désastreuses. Le cas le plus célèbre étant celui de la Britannique Sally Clark. Comme le souligne le psychologue Steven Pinker, la triste histoire de la folie et des préjugés des êtres humains s'explique par notre incompétence de statisticien intuitif. Un cas intéressant est celui où l'on doit estimer la probabilité qu'un cas particulier appartienne à une catégorie, ou plus généralement la probabilité, appelée vraisemblance, d'une hypothèse sachant une donnée. Dans ce cas, le biais de la probabilité inversée s'explique par un mécanisme cognitif appelé heuristique de représentativité. Prenons l'exemple suivant. Linda a 31 ans. Elle est célibataire, franche et très brillante. Elle est diplômée en philosophie. Lorsqu'elle était étudiante, elle était très concernée par les questions de discrimination et de justice sociale, et elle participait aussi à des manifestations antinucléaires. Selon vous, Linda a-t-elle plus de chances d'être guichetière dans une banque, et active dans le mouvement féministe? Lequel des deux? La très large majorité des personnes choisissent la seconde option. Pourtant, en supposant que les événements être guichetière dans une banque et être féministe sont indépendants, la probabilité de la conjonction de ces deux événements ne peut être supérieure à la probabilité de l'un de ces événements. Par exemple, si la probabilité que Linda soit guichetière est de 5% et la probabilité qu'elle soit féministe est de 90%, la probabilité du second cas est 5% fois 95% égale 4,5%. Pourquoi sommes-nous enclins à penser que le second cas est plus probable? Face à ce problème, le mécanisme cognitif à l'œuvre est le suivant. On essaie d'estimer la probabilité que Linda soit féministe. Cela revient à estimer la probabilité qu'un cas particulier, Linda, appartienne à une catégorie, les féministes, soit la probabilité féministe égale profil Linda. Pour cela, on évalue dans quelle mesure ce cas particulier est représentatif ou typique de la catégorie, soit la probabilité profil Linda féministe. Notre cerveau est en effet beaucoup plus à l'aise pour estimer la seconde probabilité que la première. Ceci est caractéristique du mécanisme de substitution par lequel nous substituons un problème simple à un problème complexe. Comme la seconde probabilité est élevée, nous pensons à tort que la probabilité que Linda soit féministe est élevée. Notons au passage que l'heuristique de représentativité génère un autre biais cognitif remarquable, l'insensibilité à la prévisibilité. Prédire un événement futur est quelque chose que l'on est régulièrement amené à faire, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Par exemple, un recruteur cherche à prédire la réussite professionnelle d'un candidat si celui-ci est recruté.
Au lieu d'estimer la probabilité réussite avec le profil du candidat, que le candidat réussisse professionnellement étant donné son profil, le recruteur aura tendance à évaluer dans quelle mesure le profil du candidat est représentatif des candidats qui réussissent, soit la probabilité profil candidat égale réussite. Ce faisant, le recruteur est insensible au degré de prévisibilité réelle de la réussite professionnelle. Dans le cas où celle-ci serait objectivement peu prévisible, les prédictions du recruteur devraient se situer dans un intervalle restreint. Mais nous négligeons cette information essentielle et sommes trop confiants dans nos prédictions. Débiasing. Lorsque l'on a affaire à une probabilité conditionnelle, toujours expliciter la probabilité conditionnelle inverse et comparer les deux. Par exemple, une affirmation telle que 80% des personnes atteintes d'une tumeur au cerveau possèdent un téléphone portable dit que sur 100 personnes atteintes d'une tumeur au cerveau, 80 possèdent un téléphone portable. Formuler la probabilité conditionnelle inverse, sur 100 personnes possédant un téléphone portable, combien développent une tumeur au cerveau ? Certainement moins que 80. La négligence des taux de base. Considérons le problème suivant. Un comité de psychologues a interrogé et soumis à des tests de personnalité un échantillon de 30 ingénieurs et 70 avocats menant une carrière professionnelle couronnée de succès. Les informations recueillies ont permis ensuite de rédiger une description concise de chacun des 30 ingénieurs et 70 avocats. Vous trouverez sur les formulaires qui vous seront remis 5 descriptions choisies au hasard parmi les 100 disponibles. Pour chacune d'entre elles, veuillez indiquer par un nombre compris entre 1 et 100 la probabilité que la personne correspondante soit un ingénieur. L'un des profils proposés est celui de Jack. Jack est âgé de 45 ans. Il est marié et père de 4 enfants. De tendance plutôt conservatrice, il est prudent et ambitieux. Peu intéressé par la vie politique et les débats de société, il consacre la plupart de son temps libre et ses nombreux loisirs, parmi lesquels figurent la menuiserie, la voile et les énigmes mathématiques. Nous sommes enclins à penser que la probabilité que Jack soit ingénieur est élevée parce que son profil est représentatif de cette catégorie. Lorsque les proportions d'ingénieurs et d'avocats sont inversées dans l'énoncé, la probabilité estimée que Jack soit ingénieur demeure élevée. Cela montre que nous négligeons ces données, un biais appelé la négligence des taux de base. Ces proportions sont pourtant une donnée essentielle pour estimer la probabilité que Jack soit ingénieur. S'il n'y a que 30% d'ingénieurs dans l'échantillon, la probabilité qu'une personne tirée au hasard dans cet échantillon soit ingénieur est à la base faible, indépendamment du profil de cette personne. Or, nous avons tendance à négliger cette donnée et à considérer uniquement le profil de la personne. L'heuristique de représentativité est à l'œuvre. Pour estimer la probabilité, ingénieur égale profil Jack, que Jack soit ingénieur, nous évaluons dans quelle mesure le profil de Jack est typique de celui des ingénieurs, soit la probabilité que le profil de Jack soit le profil d'un ingénieur. De la même façon, nous avons tendance à négliger la prévalence d'une maladie quand on estime la probabilité qu'une personne présente ou non une maladie. Considérons le problème suivant. Un test a été conçu pour diagnostiquer une maladie qui touche une personne sur 1000. Si vous êtes malade, il y a 100% de chances que le test soit positif. Si vous n'êtes pas malade, il y a 5% de chances que le test soit positif. Quelles sont les chances qu'une personne testée positive soit malade, sachant que vous ne savez pas si cette personne présente des symptômes ? Décomposons le problème. Sur 1000 personnes, une seule présente la maladie et sera testée positive. Sur les 999 autres, 5% seront à tort testées positives, soit environ 50. Donc, sur 51 personnes positives, une est réellement malade, soit environ 2%. La probabilité que le malade égale positif n'est donc que de 2%. Une étude classique publiée en 1978 dans le New England Journal of Medicine rapportait que sur 60 participants, 20 étudiants en 4e année de médecine, 20 internes et 20 médecins, la réponse moyenne était 55,9%. Seulement 3 internes et 4 médecins avaient donné la bonne réponse. Cette surestimation s'explique par deux biais cognitifs. D'une part, la négligence de la prévalence de la maladie. Indépendamment du fait que le patient soit positif, il y a seulement une chance sur 100 000 d'être malade. D'autre part, le biais de la probabilité inversée. Nous devons estimer la probabilité malade
égale positive, mais nous la confondons avec la probabilité d'être positif égale malade. Dans les affaires civiles où une partie demande des dommages-intérêts à une autre partie en réparation d'un préjudice subi, le juge doit estimer la responsabilité de cette dernière dans le dommage subi. Une étude de 2001 avait soumis que des juges américains le cas suivant, inspiré de l'affaire britannique Barnes vs. Bodle, 1863. Un baril de farine est tombé du deuxième étage d'un entrepôt et a blessé le plaignant à la tête. Deux témoins ont constaté la blessure, mais aucun témoin n'a vu la scène proprement dite. Quand l'entrepôt est prudent, ce genre d'accident se produit une fois sur mille. Quand l'entrepôt est négligent, ces accidents arrivent 90% du temps. Le défendeur est négligent 1% du temps. Quelle est la probabilité que l'entrepôt ait été négligent ? Avec ces données, la probabilité de négligence, sachant que cet accident a eu lieu, est de 9% environ. Pourtant, 40% des 160 juges fédéraux interrogés ont estimé que cette probabilité se situe entre 76 et 100%. À l'instar des médecins, les juges surestiment la probabilité négligence égale accident, car ils négligent le taux de base de la négligence, 1%, et confondent cette probabilité avec accident égale négligence, qui, elle, est élevée à 90%. De façon intéressante, la négligence des taux de base est incorporée dans une doctrine de la common law anglo-américaine. Re ipsa loquitur en matière de procès en responsabilité délictuelle. Dans les domaines où la preuve de la faute est particulièrement difficile à apporter, les juges anglais et américains admettent une présomption de négligence et considèrent que les demandeurs sont déchargés de l'obligation de prouver la faute du défendeur s'ils peuvent établir qu'eux-mêmes ne sont pas intervenus comme auteurs ou co-auteurs du dommage. Dans ces conditions, le taux de base de la négligence du défendeur, par exemple la fréquence d'une négligence médicale, n'est pas pris en compte dans la détermination de la responsabilité civile. Débiaising. Lorsque l'on doit estimer la probabilité d'un événement, toujours considérer le taux de base de cet événement, à quelle fréquence celui-ci se produit. Par exemple, quelles sont les chances que ma start-up réussisse ? L'élément de réponse crucial est la proportion de start-up qui réussit. Si cette proportion est faible, mes chances de réussite sont par définition faibles, indépendamment des caractéristiques particulières de ma start-up. Exemple sur les chances de ma start-up réussisse. Le site web financier Investopedia rapporte qu'en 2019, le taux d'échec des start-up était d'environ 90%. Il s'avère que 21,5% des start-up échouent la première année, 30% la deuxième année, 50% la cinquième année, 70% la dixième année. L'entrepreneur, biais d'optimiste oblige, aura tendance à penser qu'il échappera à ces statistiques. Pourtant, ce taux de base est la meilleure estimation de ses chances de réussir. Conseil, ne pas se focaliser sur les caractéristiques d'un cas particulier, ma start-up, mais considérer les statistiques relatives à l'ensemble des cas. Le biais de disponibilité. Dans la langue française, les mots de 6 lettres finissant par « sion » sont-ils plus ou au contraire moins nombreux que les mots dont l'avant-dernière lettre est « o » ? À cette question, la majorité des gens répondent qu'ils sont plus nombreux. C'est pourtant logiquement impossible, les premiers étant un sous-ensemble des seconds. Pourtant, pourquoi commettons-nous cette erreur ? Tout simplement parce que les mots se terminant par « sion » sont plus disponibles dans notre mémoire, relation, portion, ovation, etc., que les mots dont l'avant-dernière lettre est « o ». Le biais de disponibilité est précisément le mécanisme mental par lequel nous estimons une fréquence ou une probabilité en fonction de la facilité avec laquelle des exemples nous viennent à l'esprit. Ce mécanisme produit des estimations précises lorsque la disponibilité d'un événement et sa fréquence objective sont corrélées, mais ce n'est pas toujours le cas. Considérons par exemple différentes causes de décès. Selon vous, quel cas est le plus fréquent ? Les décès par homicide ou ceux par suicide ? La majorité des personnes pensent que les premiers sont plus fréquents que les seconds. Aux États-Unis, les décès impliquant une arme à feu sont en réalité deux fois plus souvent des suicides que des homicides. Cette erreur de jugement vient du fait que les homicides sont plus médiatisés que les suicides et donc plus disponibles en mémoire. Dans le même registre, dans un article publié en 2001 dans le Chicago Sun-Times, l'économiste Stephen Levitt rapportait que dans
un foyer américain où se trouvent un revolver et une piscine, un enfant du foyer a environ 100 fois plus de chances de mourir à cause de la piscine qu'à cause du revolver. Le biais de disponibilité peut affecter tout un tas de jugements. Un sujet de débat récurrent chez les amateurs de foot est la question de savoir quels corners sont les plus efficaces, rentrant ou sortant. Lors de la saison 2008-2009, le club de Manchester City avait des difficultés à marquer des buts sur corner. Pas un sur 21 matchs. Le département de statistiques du club étudia la question, analysant plus de 400 buts marqués sur corner dans différents championnats et sur plusieurs saisons. La conclusion fut sans appel. Environ 75% de ces buts provenaient de corners rentrants. Le manager du club, Roberto Mancini, resta dubitatif quant à ce résultat, arguant qu'en tant qu'ancien joueur, il savait que les corners sortants sont plus efficaces. À cet égard, Mancini et de nombreux amateurs de foot étaient victimes du biais de disponibilité. En effet, les buts marqués sur corners sortants ont tendance à être plus spectaculaires que ceux sur corners rentrants, souvent confus. Les premiers étant dès lors plus disponibles en mémoire que les seconds, nous surestimons leur fréquence. Mais le résultat de l'étude fit son chemin au sein du club. Lors de la saison 2011-2012, Manchester City marqua 15 buts sur corner, le meilleur total dans la Premier League, dont 10 sur corner rentrant. Débiaising. Lorsque notre jugement se fonde sur des exemples de cas particuliers, être conscient que nous pouvons être affectés par le biais de disponibilité et ainsi ou surestimer une fréquence. Dans ce cas, il est souhaitable de s'appuyer sur une analyse plus objective avec plus d'informations pour étayer son jugement. Exemple. Directeur commercial. Le plus gros contrat de notre société a été gagné parce que nous avons su produire une proposition de qualité en moins de 10 jours. Pour cela, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, nous avions créé une Propal Room sur les modèles des salles de crise. Donc je préconise que nous généralisions ce mode de fonctionnement pour toutes les propositions commerciales que nous devrons produire. Un responsable de secteur. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne pour toutes nos propositions, car 60% des propositions que nous réalisons se font auprès de clients avec lesquels nous travaillons et la clé du succès réside plus dans la relation que nos collaborateurs ont avec le client. Nous sommes dans un lobbying du quotidien par notre qualité d'écoute et nos réalisations et je ne pense pas qu'une Propal Room soit la solution. Directeur commercial. Votre remarque est intéressante, mais mon expérience dans le secteur valide ma proposition et ce sera une manière d'incarner par un processus clair la manière de produire nos propositions commerciales. Cet échange dans une entreprise d'informatique met en avant deux propositions concurrentes avec une asymétrie de pouvoir entre les personnes qui en sont à l'origine. Qui a raison ? Très probablement le responsable de secteur, sans se priver de la possibilité de créer des dispositifs de Propal Room pour des nouveaux contrats importants. Conseil. Ne pas généraliser une pratique qui a permis une réussite spectaculaire. Répétez-la plusieurs fois avant d'en faire une solution. Le biais rétrospectif. Considérez l'énoncé suivant. Après 5 ans de vie commune, Marie et Julien s'étaient séparés car ils se disputaient trop souvent. Après 6 mois durant lesquels ils sont restés en contact, ils ont commencé à se revoir. Marie et Julien pensent avoir chacun évolué. Ils ont décidé de se remettre en couple. Quelles sont les chances que Marie et Julien restent en couple ? Considérez maintenant la version suivante. Après 5 ans de vie commune, Marie et Julien s'étaient séparés car ils se disputaient trop souvent. Après 6 mois durant lesquels ils sont restés en contact, ils ont commencé à se revoir. Marie et Julien pensent avoir chacun évolué. Ils ont décidé de se remettre en couple. Un an plus tard, Marie et Julien se sont séparés à nouveau, définitivement cette fois. Quelles étaient les chances que Marie et Julien restent en couple ? La première version requiert d'évaluer une probabilité de façon prévisionnelle, ex ante, tandis que la seconde version requiert d'évaluer une probabilité de façon rétrospective, ex post. Le biais rétrospectif est la tendance à surestimer rétrospectivement la probabilité qu'un événement allait se produire. Nous aurions ainsi tendance à donner une probabilité plus faible dans la seconde version que dans la première, surestimant le caractère prévisible du fait que Marie et Julien allaient se séparer. Le biais rétrospectif se résume par le fameux « je le savais depuis le début ». Dans une étude, on avait demandé aux participants d'évaluer si les mesures prises par une
municipalités pour protéger un riverain d'une possible inondation était suffisante ou non. Alors que les participants qui avaient évalué cette situation de façon prévisionnelle jugeaient que le risque d'inondation était trop faible pour justifier d'autres mesures, les participants qui avaient évalué la situation de façon rétrospective, informés qu'une inondation avait eu lieu, jugeaient que la municipalité avait fait preuve de négligence et donné des estimations plus élevées du risque d'inondation. Le biais rétrospectif est omniprésent chez les experts, qui surestiment souvent a posteriori la mesure dans laquelle un événement était prévisible et aurait pu être anticipé avec plus de clairvoyance. À la question « La deuxième vague de Covid-19 était-elle prévisible ?» qu'on lui posait sur France Culture le 10 novembre 2020, un membre du conseil scientifique, Arnaud Fontanet, sous-entendait que oui, affirmant que « à partir du moment où le virus circule aussi largement, on savait qu'il serait très difficile de l'éliminer ». Mais M. Fontanet avait-il prévu une deuxième vague avant que celle-ci ne se produise ? Il n'est pas étonnant que le biais rétrospectif soit si fréquent chez les experts, car la capacité à expliquer en quoi un événement était prévisible peut donner l'impression d'une capacité à prédire le futur. Mais il s'agit bien d'une illusion. La capacité à expliquer les choses en aval ne dit rien sur la capacité à les prédire en amont. Les experts qui, par exemple, expliquent en quoi la survenue d'un attentat était prévisible sont en réalité incapables d'anticiper le prochain attentat. La plupart des experts qui expliquent en quoi la crise financière de 2007-2008 était prévisible sont incapables de prédire la prochaine crise financière. Jugeons un expert sur sa capacité à anticiper l'avenir, pas sa capacité à expliquer le futur. Dans l'analyse d'un résultat a posteriori, être conscient que le biais rétrospectif nous pousse naturellement à surestimer la probabilité que ce résultat allait se produire et ainsi à se montrer critique envers les décideurs, ils auraient dû savoir que cela allait arriver. Pour contrecarrer ce biais, il faut se mettre dans la situation a priori et évaluer la probabilité du résultat de façon prévisionnelle. Au moment où la décision a été prise, quelle était la probabilité que ce résultat se produise ? Souvent, il apparaît alors qu'il est difficile pour les décideurs d'anticiper le résultat en question. Rappelez-vous du référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe le 29 mai 2005. Alors qu'une victoire du oui était attendue, le non l'emporta finalement. Les responsables politiques de l'époque furent critiqués pour ne pas avoir anticipé ce résultat. Pour évaluer cette décision politique en évitant le biais rétrospectif, la question à se poser est, au moment où la décision du référendum fut prise, quelle était la probabilité estimée que le non l'emporte ? Autodiagnostic des biais dans l'estimation des probabilités. Nous pensons bien connaître notre environnement et notre vie en général en enferrant des règles de causalité à partir de nos expériences. L'expérience peut être un miroir trompeur. En effet, elle nous procure des occurrences de pratiques nous permettant de savoir ce qui fonctionne ou pas. Mais cette analyse est truffée de biais dans l'estimation de probabilité. Le biais de probabilité inversée, le biais de négligence des taux de base, le biais de disponibilité et le biais rétrospectif. Auto-évaluez-vous sur ces différents biais par une note de 1 à 5. 1 signifiant une faible exposition au biais et 5 une forte exposition afin d'obtenir votre profil. Cet exercice peut se faire pour une équipe en collectif. Le biais. Biais de la probabilité inversée. Confondre une probabilité conditionnelle sur l'ensemble des gagnants du loto 100% ont joué avec la probabilité conditionnelle inverse. Sur l'ensemble des joueurs du loto, combien y a-t-il de gagnants ? Évaluation de 1 à 5. Lorsque l'on a affaire à une probabilité conditionnelle, toujours expliciter la probabilité conditionnelle inverse et comparer les deux. Le taux de négligence de base. Sur ou sous-évaluer la probabilité d'un cas en ne tenant pas compte de sa probabilité globale. Évaluer de 1 à 5. Débiaising, lorsque notre jugement se fonde sur des exemples et des cas particuliers, être conscient que nous pouvons être affectés par le biais de disponibilité et ainsi surestimer une fréquence. Dans le cas, s'appuyer sur une analyse plus objective, avec plus d'informations pour étayer son jugement. Le biais de disponibilité. Estimer une fréquence ou une probabilité en fonction de la facilité avec laquelle les exemples nous viennent à l'esprit. Évaluer de 1 à 5.
Débiasing, ne pas faire d'un événement spectaculaire une règle. S'appuyer sur plus d'informations, faire des analyses statistiques sur un grand nombre d'observations. Autre biais, biais rétrospectif, tendance à surestimer rétrospectivement la probabilité qu'un événement allait se produire. Noté de 1 à 5. Débiasing, se mettre dans la situation a priori et évaluer la probabilité du résultat de façon prévisionnelle en se posant la question, au moment où la décision a été prise, quelle était la probabilité que ce résultat se produise ?